Bonsoir à tous. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très très spéciale qui a pas du tout d'habitude sur ma chaîne. Et alors, c'est pas du tout sponsorisé quoi que ce soit, hein, mais en fait, j'ai passé une commande et donc j'ai reçu ce que j'avais commandé. Et je suis vraiment trop trop contente de ce que j'ai commandé. Je m'attendais pas à autant de qualité. Donc, du coup, j'ai voulu faire partager tout ça. Donc, je vais vous montrer ce que c'est et vous faire la présentation de tout ça. Donc voilà, alors la commande je l'ai passée sur Shein. Et donc c'est une mallette de make-up, de maquillage. Willy Wonka. Donc dans le thème du film. Alors déjà regardez, quand on ouvre la mallette, je trouve ça trop classe. Je trouve ça vraiment trop 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 cool. Ensuite. Donc on ouvre. Bon, alors là, on a la présentation en fait de ce qu'il y a dedans. Et là, on a tous les produits. Alors déjà, il y a une petite plaquette d'autocollant. J'essaie de vous montrer sans les reflets, voilà, comme ça. Ensuite, là, on a la palette de maquillage, donc qui est fait en fait comme si c'était une vraie tablette de chocolat dans le carton. Alors, je vais vous la sortir parce qu'une main, c'est compliqué. Et hop, là, on sort la petite palette. Alors, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est tout en relief ici. Alors que je vous montre l'intérieur. Donc, le petit miroir. Ensuite, on a le petit ticket d'or qui permet de pas comment dire de pas salir le miroir avec la palette. Regardez les couleurs. Je suis désolée, ça fait pas tout le temps la netteté. J'essaie de faire au mieux. Les couleurs, elles sont vraiment super chouettes. Bon, ça c'est pas des couleurs qu'on utilise tout le temps, c'est sûr. Mais je les trouve vraiment trop trop belles. Ensuite, on a le pinceau que j'ai encore laissé dans le plastique. Alors, la netteté, ça veut bien la faire. Attendez, je vais le poser. Voilà. Ça fait comme si il y avait plein de petits bonbons dedans. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui galère à faire la netteté. Donc, c'est un petit pinceau. Voilà, je vous montre une fois qu'il est plus dans le plastique. Il est vraiment cool. Ensuite, ici, on a le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, vous allez voir, il est assez spécial. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Bon, déjà, vous pouvez voir qu'il est superbe. Enfin, ça, vous pouvez pas le savoir, mais le tube, il est tout, tout doux. C'est super agréable. Et je vais vous montrer pourquoi il est assez spécial. Voilà pourquoi. Parce que c'est un rouge à lèvres aux trois couleurs. Encore une fois, je suis désolée pour la netteté. Je fais au mieux. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va faire en le mettant. Il faudra que je teste. En tout cas, il est super sympa. Et vraiment, la qualité est là. Les finitions, elles sont superbes. Mince, le carton. Après, là, juste à côté, c'est le fard à joues. Donc ça, c'est le seul élément de la mallette qui n'est pas marron. Qui est violet, comme c'est écrit dessus. Pareil, je vais vous montrer ça déballé. La petite palette, comme ça. Un plastique transparent. Et quand on l'ouvre, ça donne ça. Avec les petits reflets brillants. Petites paillettes. Moi, j'adore vraiment la couleur. C'est vraiment super. Elle fait vachement clair à la lumière, elle fait beaucoup plus foncée quand on la met à l'ombre. Mais elle est superbe. Et pour la ranger, celle-ci, vous voyez, elle se coulisse juste. Et en fait, il y a le petit scotch qui la maintient et qui permet de faire qu'elle ne coulisse plus après dans le vent. Et ce qui est bien sur tous les scotch, je ne sais pas si vous allez voir, regardez, il y a une petite languette à chaque fois. Pour bien pouvoir déballer.
Ensuite, là, on a un parfum solide. Alors ça, je trouve ça trop trop cool. Je connaissais pas du tout. Alors, autant shampoing solide, tout ça, j'ai déjà testé. Mais parfum solide, je ne connaissais pas. Et voici le petit œuf. Donc ça, c'est le parfum solide. Alors, est-ce que je vais réussir pour le déboîter? Alors attendez. Et il se présente comme ça. Voilà, petit parfum solide. Et donc il se présente comme ça. Ah, petit parfum solide. Alors si vous voulez une idée de l'odeur, moi je trouve qu'il ressemble au lapin Lindt. Voilà, les petits lapins de Pâques Lindt. Ça me fait penser à ça l'odeur. Donc c'est chocolaté. Ah, il faut aimer l'odeur du chocolat. Mais en tout cas, l'odeur, elle se diffuse super bien. Parce que là, rien que de l'avoir sorti, j'ai bien l'odeur dans les narines. C'est super agréable. Hop. Et après, alors ça, c'est tout pour les lèvres. Et en fait, c'est un peu, j'allais dire toutes les teintes de chocolat, mais pas vraiment. Là, on a un peu du chocolat. Ce serait peut-être plus fraise ici. Et puis là, encore du chocolat. Je vais vous montrer en détail. Voilà, comme ça se présente dans les boîtes. Donc, vous voyez, c'est dans un petit compartiment en plastique. Alors, hop, j'arrive à le sortir. Et vous allez voir, un truc que je trouve super pratique, c'est que c'est fait comme un stylo. En fait, regardez. Hop. Donc, ce qui est génial, c'est que ça permet de ne pas abîmer la mine en rebouchant. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Parce que des fois, quand on fait pas attention, on peut vite abîmer les mines comme ça. Et là, l'avantage, c'est que c'est protégé. Et le deuxième, à chaque fois, c'est en duo pour les trois couleurs. Et donc, celui-ci, j'essaie de vous montrer ça. Ce n'est pas évident. Hop là, que vous voyez un petit peu la couleur, c'est pas facile. Voilà, ça donne ça. L'idée, voilà, il y en a un peu plus. Hop. Alors pour le moment, j'ai encore rien testé, hein. Donc là, tout est vraiment neuf avec le petit ressort qu'il faut bien tout de suite revisser. Voilà, ceux-là, je vais juste vous les montrer comme ça, là, pour les deux autres. Ça vous donne une idée de la couleur. Vous voyez, c'est un peu rosé, je trouve. Et on a donc ici la dernière couleur. C'est fait bizarrement, ceci. Et je la trouve trop belle. Je crois que c'est ma préférée des trois, celle-ci. Et enfin, le dernier élément de la mallette, c'est un magnifique pin's. Il est assez gros. Vous voyez, il se fait taille de trois doigts. Donc, il est quand même assez gros. Mais moi, de toute façon, je pense que je vais le laisser dans la mallette, le pin's. Je vais tout laisser dedans. Et voilà. La mallette au complet. Les petits autocollants. Et ensuite, on peut refermer. Hop, tout est venu d'un coup. En devanture. Et hop, on reclipse. C'est aimanté. Voilà. Et bien, une vraiment belle trouvaille. Bon, alors j'espère que ça vous aura plu pour ceux que le sujet intéresse. Pour moi, c'est pas du tout mon truc, hein, de faire des vidéos sur ça. Mais là, c'est vrai que je la trouvais vraiment, enfin, tellement cool. Tellement bien faite que voilà, je voulais la faire partager. Donc j'ai fait cette vidéo-là en mode un peu vite fait, et j'espère que ça vous aura plu.